Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty. Aujourd'hui c'est un petit commentary d'un petit gameplay que j'ai enregistré sur Saint-Pétrograd en mêlée générale. Vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est la première fois que je refais ça depuis de très très longues années. La plupart de la longue de la partie, vous allez voir, je vais commencer avec la Oden, mais vous allez voir que ça va pas du tout bien se passer, donc je vais passer sur la M13 pendant le reste de la partie. Mais en tout cas, voilà en ce qui concerne la partie, je vous laisse profiter un peu du gameplay. Mais aujourd'hui, on va parler tout d'abord, si je sais parler, du sujet principal. Est-ce qu'il faut acheter Modern Warfare pour Noël? Alors, je sais que pour l'instant, Modern Warfare est un peu plus tranquille. Je dis pour l'instant, mais je sais que ça va empirer au niveau de la communauté. Mais je dis ça parce que je sais que les Kikou après vont avoir ça pour Noël. Et après décembre, janvier, ça va être horrible. Déjà que c'est déjà à peu près horrible. Qu'il faut pas être trop compétitif. Qu'il faut plus se la jouer fun sur ce Call of Duty là. Enfin bref, mon avis, je commence déjà à le donner. Donc je vais vous donner du coup mon avis. Savoir est-ce qu'il faut l'acheter ou pas pour Noël. Pour moi, déjà, faut dispartager en deux groupes. Pour moi, si vous êtes Call of Duty fun depuis longtemps, que vous n'êtes pas compétitif à vraiment faire que des putains de scores, des nukes et tout ça, là, si vous êtes que ça, je vous le déconseille. Parce qu'avec la communauté qu'il y a, vous allez vite rager, vite leur vendre et ça sert à rien. Donc ne le demandez pas pour Noël, clairement. Et ne l'achetez pas pour Noël. Mais par contre, si vous êtes plus fun, que vous. Bon, encore si vous jouez un peu le kill comme moi, je joue clairement un peu le score positif, le kill et tout ça, un peu. Ça m'arrive de rager. Hein, en live, vous allez voir dans une future vidéo que j'ai fait en live là, il n'y a pas si longtemps, j'ai ragé un peu, je le sais. Ça, c'est le Call of Duty qui fait ça. Et c'est pas le Call of Duty en soi-même qui fait ça, c'est la communauté. Si on parle tout d'abord, donc du coup, si vous êtes plutôt fun comme moi, jouer le kill et tout ça, je vous le conseille. Je vous explique pourquoi. Si vous prenez pas la communauté, vous oubliez la communauté deux secondes, si on prend le jeu en soi-même. Le jeu en soi-même, c'est une dinguerie. On retrouve la patte des Modern Warfare qu'on avait à l'époque, des Modern Warfare 3 surtout, on retrouve un jeu moderne, terre à terre, on n'a pas de trucs où on glisse sur les murs, on glisse par terre ou on vole. C'est nickel parce qu'on est dans le temps moderne avec des armes qu'on connaît. Et c'est juste génial pour ceux qui aiment un peu les armes et tout ça. On retrouve nos armes actuelles et c'est super génial. Les maps sont assez... Il y a une grande diversité de maps, que ce soit pour les maps de 20 joueurs, pour les maps de 10 joueurs, et aussi les petites maps pour l'escarmouche par exemple. Il y a une diversité de maps extraordinaire. La campagne, c'est juste un régal. J'ai hâte de, quand je vais terminer mon let's play sur D3, de vous faire à nouveau un let's play sur cette campagne, parce que c'est juste un régal. Je commence déjà un peu à l'oublier, donc ça va pas tarder à me redonner envie de la refaire. Donc déjà rien que pour la campagne, je vous la conseille. Ensuite, en ce qui concerne les autres modes, j'ai pas testé du tout le mode opération spéciale, j'ai pas du tout testé et ça m'intéresse pas, franchement. Ce qui m'intéressait le plus, c'est vraiment découvrir d'abord le multijoueur et puis ensuite la campagne que j'ai découvert quelques jours après avoir acheté le jeu et qui est une dinguerie. En soi-même, le jeu, c'est une dinguerie et si on prend juste le jeu, je vous le conseille, mais très très fortement de l'acheter parce que c'est l'un des meilleurs Call of Duty qu'on a pas eu depuis tellement d'années. Mais, parce qu'il y a un mais. Il y a, en un seul mot, la communauté. Voilà. Je pense que tout est décrit là-dedans. La communauté. Je vous explique pourquoi. La communauté qu'on a connue, nous, à l'époque, sur Modern Warfare 3, c'était un peu l'époque, pas trop des darons, mais un peu quand même, parce que c'était des personnes assez matures hein, qui jouaient à ce genre de jeu, qui jouaient à peu près normal, sans... Par exemple, je prends des exemples de la communauté aujourd'hui, poser Claymore partout derrière soi, camper à des fenêtres, à des coins, rusher des fois avec des armes abusées. Voilà, nous on faisait pas ça à l'époque. À l'époque, on avait chacun sa petite arme favorite, c'est vrai, la plupart avaient sa petite arme favorite et on la prenait pratiquement à chaque game où tout dépendait de la map qu'on choisissait. C'était ça sur MW3 Black Ops 2, en tout cas, moi ça a été ces périodes, ces deux Call of Duty où j'ai joué à peu près tranquillement et puis après ça commençait à devenir les Kikou qui arrivent sur Call of Duty et ce qui est aujourd'hui. Et comme voilà, comme je l'ai dit, malheureusement, ce qui tue ce jeu un peu, ce Modern Warfare, et ce qui donne un peu envie
de leur vendre dans un sens. C'est pas le jeu en soi-même, c'est la communauté qui est totalement dégueulasse. Parce que, voilà, nous, personnes habituées à jouer depuis Call of Duty, depuis tellement d'années, on était habitués à des choses un peu plus normales. Et là, on se retrouve avec une communauté, malheureusement. Après, je sais qu'il y a aussi pas que des gens de 12, 13 ans qui jouent comme des connards sur ce jeu. Je sais qu'il y a aussi des gens aussi un peu plus matures qui, malheureusement, s'amusent aussi à profiter de cette situation pour donner un gameplay dégueulasse. Mais vous voyez, la communauté en soi-même, bah maintenant c'est un peu de la merde. Parce que comme je vous ai dit, ça met. Bah là, on sait que sur ce Call of Duty, la clé mort est abusée. Donc on met des clés morts. Il y en a aussi la mine qui commence à arriver aussi. La mine est aussi abusée. Il en commence à avoir des mines, même vraiment n'importe où. Pas forcément en bas d'escalier, en haut d'escalier, à des portes. Il y en a vraiment partout. Hein. Donc pas forcément à des endroits que vous vous attendez, vous allez avoir des mines et des clés morts. Et ça, c'est embêtant. Vous allez avoir des mecs qui campent, donc à des coins, ou des mecs qui trushent à des armes abusées, comme batteuse, pompe. Alors là, le pompe, sur celui-là, je vous le déconseille, à part si. Bon, moi, j'avoue, j'aime bien rusher, d'accord? Je suis un rusher. Ça, je sais que c'est mon défaut principal. Je campe pas, je temporise, par exemple. Niveau armes, je joue pratiquement qu'avec des fusils d'assaut ou des mitraillettes. Je joue très rarement, si des pompes, des fois en secondaire, par exemple quand je suis dans des bâtiments, que je suis en courte distance, en courte portée. Donc je vais prendre le pompe, je vais pas prendre le fusil d'assaut ni une mitraillette. Donc vraiment, mitraillette, fusil d'assaut en principal et le pompe de temps en temps en arme secondaire. Mais sinon, j'utilise rien d'autre. Batteuse, ça me sert pas. Sniper, ça me sert pas. Pistolet, ça me sert pas. Lanceur, ça me sert pas. Je me sers pas de tout ça. En ce qui concerne après tout ce qui est les lances, enfin après les grenades mortelles et tactiques, ça m'arrive de m'en servir. Que ça soit par exemple grenade ou molotov, je suis très grenade molotov. Et puis après, je suis plus lacrymogène ou fumigène en ce qui concerne la tactique. En ce qui concerne les score streaks, il y en a aussi qui sont un peu abusés et au niveau sonore, c'est insupportable. Moi, par exemple, sur ce jeu-là, je joue beaucoup à l'audio, je joue beaucoup au pas. Vous voyez, par exemple, je viens de me prendre une mine là, par exemple. Je joue beaucoup à l'écoute. J'entends beaucoup les pas et je joue beaucoup là-dessus. Donc, quand vous tombez sur un ADAV qui est permanent pendant 2 minutes au-dessus, bah, on ne peut rien faire parce que vous êtes bloqué sur place pratiquement. Vous pouvez pratiquement pas bouger. Parce que vous entendez plus rien. Ben moi, à l'écoute, moi qui joue à l'écoute, moi j'entends plus rien et perso, ça me pénalise de ouf quoi. Et du coup, ça me fait chier. Mais il y a des score streaks comme ça, par exemple, comme l'hélico d'attaque aussi qui est abusé niveau sonore, même niveau kill aussi. Hein. Niveau truc, niveau kill, par exemple, la DAV et l'hélico d'attaque, c'est même pas la peine de mettre un nez dehors parce que vous allez mourir tout de suite. C'est même pas la peine. Donc ça, c'est un peu un inconvénient. Voilà, c'est un peu ces score streaks aussi qui sont un peu inconvénients. Mais franchement, c'est le peu de choses qu'il y a d'inconvénients là-dedans. Après, ce qu'il y a... Mais après, je vois pas. Franchement, je vois pas. Un truc aussi qui est bien sur ce Call of Duty aussi, c'est que voilà, ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'il est sorti, un mois et demi, et on a que nouveauté, que nouveauté sur nouveauté. On a aussi des améliorations. Lorsqu'il y a un problème, il est souvent réglé dans les jours qui viennent. Il y a du contenu, il y a des modes qui arrivent, ça change assez régulièrement. Et ça, c'est bien. C'est la première fois, je pense, que je vois un Call of Duty à peine un mois de sortie qui a déjà pas mal de nouveautés. On a déjà une nouvelle map qui est sortie, il y en a d'autres qui vont sortir encore prochainement. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et c'est gratuit. Et ça, c'est cool. Donc sur ce point-là, cette année, Call of Duty et Activision sont assez généreux sur ce Call of Duty, peut-être dans un sens parce qu'ils y croient, clairement. Donc voilà mon petit avis après sur Call of Duty. Maintenant, ce que je peux vous dire, du coup mon bilan final là-dessus, est-ce qu'il faut l'acheter ce Call of Duty? Eh ben, ça va être à vous de décider. Ça, je suis un peu bâtard, vous venez de regarder une vidéo pour que je vous donne la décision de oui ou non s'il faut l'acheter. Je suis un peu bâtard, je sais. Dans un sens, je vais revenir à ce que je disais au début. Si vous êtes plus à jouer fun, comme moi, à vraiment pas vous prendre la tête, ou de temps en temps un peu vous prendre la tête, bon d'accord, je l'acquiesce.
Eh ben, je vous conseille ce jeu parce que ce jeu est une tuerie. Mais si vous êtes vraiment professionnel à vraiment jouer vraiment le max du max sur ce jeu-là, je vous le conseille pas, clairement. Si vous voulez vous avoir une petite déception pour ça, je vous déconseille et ça vous évitera de dépenser 50 ou 70 euros pour un jeu comme ça. Mais sinon, le jeu en soi-même est une dinguerie. Donc pour Noël, à vous de décider. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram avec GamesyKato. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'était déjà pas. Et du coup, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.